Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens avec une nouvelle vidéo parce que j'ai envie de vous parler des produits qu'il y avait dans le calendrier de l'Avent de Nocibé dans le temps de l'Avent pour 2017, donc avant Noël là-bas. J'ai aussi envie de vous parler des points positifs et des points négatifs que j'ai envie de vous dire. Je vais commencer par les points négatifs. Donc, premier point négatif que j'ai à mettre, c'est déjà qu'on a trois produits qui sont à l'intérieur cette année qui étaient exactement les mêmes produits comme l'année d'avant. Donc voilà quoi. Deuxième autre point négatif, c'est que ça a augmenté de nouveau, mais bon, ça va, c'est seulement 5 centimes et pas 10 euros par rapport de 2015 sur 2016, donc ça va relativement correctement. Le point négatif. Point positif, j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont mis les produits soins à l'intérieur qu'ils ont adapté pour tout type de peau, voilà quoi. Pas comme l'année d'avant où c'était plus type, je crois que c'était peau sensible, un truc dans le genre, voilà quoi, je sais plus exactement, je pourrais pas vous le dire. Après, l'autre point aussi que j'ai envie de dire, c'est qu'ils ont changé complètement l'emballage par rapport à celui de l'année d'avant, mais ils ont resté dans les mêmes couleurs, c'est-à-dire dans les tons rouges et dans les tons dorés, sauf que cette année, il n'y avait pas de nœud papillon qui était placé au-dessus, il était mis sur le devant, ce qui s'ouvre, voilà quoi. Après, ce que je peux aussi vous dire, c'est que niveau ouverture, donc là, ce qu'il y avait par rapport à l'année d'avant, le nœud pape qui gênait, on n'avait pas, voilà quoi. Donc là aussi, là, il y a le petit livret qu'il y avait, comme tous les ans, pour vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, mais sauf que cette année, ils n'avaient pas mis de descriptif, hein, voilà quoi, un petit mot, comme quoi, c'est quelque chose à s'offrir, ou peut offrir, ou qu'est-ce qu'il y avait aussi marqué, qu'on doit s'émerveiller tous les jours, le temps de l'avant, voilà quoi, des choses comme ceci. Là, ils vous disent non plus pas à l'arrière combien il y a de produits soins et combien il y a d'accessoires, voilà quoi, il faut chaque fois lire les accessoires qu'il y a, il faut chaque fois lire les produits beauté et produits soins comme ceci, là, c'est chaque fois les ingrédients, donc il y a un vernis ombre, un mascara volume obsession noir, un mini crayon aux yeux regard mystérieux, dans la gamme Les Délices il y a le gel douche pomme d'amour, le macaron, le gommage macaron framboise, le lait corps pomme d'amour, la crème à pomme d'amour, le gel douche macaron framboise, le cube effervescent à la barbe à papa, et dans la gamme essentielle il y avait une crème pour les mains, un lait pour les corps, un masque hydratant en capsule, et après il y avait aussi deux produits de la gamme Aqua Focus, donc c'était le masque neige hydratant et le batch biocellulose contour des yeux, et de la gamme Sun, il y avait aussi un produit, c'était une lingette auto-bronzante. En accessoire, il y en avait exactement 9, donc il y avait un bloc polissoir, une lime à ongles, un élastique et câble pour cheveux, des bâtonnets de buis x4, un headband, un séparateur stay, un éponge blender, un élastique aux cheveux et un coupon. Donc ça, c'était pour les accessoires qu'il y avait dedans. Et c'était le numéro lot F212 et de la référence 214358. Donc voilà quoi. Niveau quantité, je trouve que sur le net, ça allait encore quand j'ai vérifié, parce que oui, cette année, c'est pas moi qui me l'avais acheté moi-même. On me l'avait offert, donc voilà quoi. On me l'avait pas offert comme ceci, on me l'avait offert avec le papier emballage cadeau qui se présente chez Nocibé, c'est tout simple et tout con, qui se présentait comme ceci. Voilà quoi, je vais garder pour le montrer, donc voilà quoi, ça se présentait comme ceci, avec deux rubans de CB sur les deux côtés. Il n'y avait presque pas de scotch dessus parce qu'ils étaient morts, comme on m'avait dit, et avec du papier de trois couches, donc voilà quoi. En magasin, là où moi je vais tout le temps, il était facilement en rupture de stock. Une semaine et demie, il n'y avait plus rien, voilà quoi. Tenue du carton, il n'était pas aussi résistant que celui de l'année dernière, mais beaucoup plus résistant quand même par rapport à celui d'il y a deux ans, voilà quoi, la première édition qu'ils avaient fait. Il y avait marqué 24 cadeaux, mais si on veut bien regarder en ensemble, on avait quand même 25 cadeaux sur 24, voilà quoi, j'ai envie de dire, le 25e, c'était vraiment la surprise du calendrier de l'avant, voilà quoi, c'était marqué nulle part. C'était tout simplement qu'au 24, à l'intérieur, si on regardait bien, voilà quoi, imaginez, ça c'est le 24, si on ouvre ici, en fait, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un code promo de 20% sur l'ensemble, que ce soit sur le magasin ou sur le site internet, qui était valable quand même 5 semaines, voilà quoi, du 26, 12, 17 jusqu'au 31-18, donc voilà quoi, en sachant quand même qu'au début janvier il y avait quand même la période de solde qui avait commencé. Donc voilà le carton à quoi il ressemble quand il est fermé. Si vous voulez des images plus en détail, je vous conseille d'aller je vous invite d'aller voir sur ma page Facebook, parce que je les avais mis là-bas dessus encore quand c'était fermé. Et après quand on ouvre, parce que voilà quoi, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de fenêtre à ouvrir, mais il fallait ouvrir ici, donc voilà quoi. Après, je trouve que ça prenait pas mal de place quand c'était ouvert comme ceci, donc voilà quoi. Ça, quand je me rappelle encore, c'était toute la page ici, ça parlait que sur les mains ou sur les ongles, voilà quoi. Ça, je trouve que c'est dommage. Et quand ils vous disent éponge blender dans les accessoires,
Moi, je m'attendais, voilà quoi, ça c'est mon avis personnel. Moi, je m'attendais quand je retrouve, voilà quoi, vu que c'est quand même quelque chose d'imposant, l'éponge Beauty Blender, celle-ci qu'on voit un peu partout, que ce soit sur les sites internet ou sur les blogs ou sur les vidéos. Moi, je m'attendais que le vrai Beauty Blender, voilà quoi, pour le 24, c'est quelque chose d'imposant, ils nous auront mis ça. Mais en fin de compte, non, pas du tout, je vais vous le montrer après à quoi ça ressemble. Je vous l'ai dit en début de vidéo, il y avait trois produits qui étaient copiés-collés de l'année d'avant, c'est-à-dire c'était deux produits de la gamme Les Délices, donc il y avait la crème pour les mains à la pomme d'amour, ainsi aussi que la crème pour les mains macaron framboise. Et en plus, il y avait aussi le bloc polissoir de 4 faces, voilà quoi, ça c'était vraiment du copier-coller de 2016 sur 2017. Après ça, que je peux aussi vous dire, il y a une éponge à teint de l'année d'avant, il y en avait aussi une, mais c'est pas du tout la même, et c'est au côté touché, c'est non plus pas la même. Tous les produits qui étaient réunis dans ce calendrier de l'avant, à part pas le code promo, voilà quoi, je suis allée l'utiliser. J'ai réussi à les réunir là-dedans. Donc ça, c'est une trousse qui vient des instituts Amsterdam. Donc ça s'achète soit sur internet, ou soit si votre salon de coiffure et ou encore votre institut de beauté revend cette marque, vous pouvez l'acheter là-bas. Moi, je ne connais pas du tout son prix, voilà quoi, j'ai reçu pour Noël. Donc voilà quoi, côté des produits, ça ressemble à ceci. Les produits, j'ai envie de dire, c'est des produits miniatures et non des produits miniatures dits aussi pour ma voyage. Ce n'est pas du tout des échantillons. Tout ce qui est produit soin, c'est minimum de 10 ml. Donc voilà quoi. Je ne pourrais plus vous dire quel produit est associé à quelle fenêtre. Là aussi, je vous invite à aller voir sur ma page Facebook parce que j'avais mis tous les jours la photo correspondant du calendrier de l'avant. Je ne sais plus si c'est le premier ou si c'est le dernier que je vais tirer au sort. Voilà quoi. Ce que je peux seulement vous dire, c'est que tous les produits, c'est des produits européens, voilà quoi, c'est marqué sur la fiche. Soit Italie, soit France, ou soit Luxembourg, donc voilà quoi. Là, ce que je peux aussi vous dire, c'est que tous les produits qui sont dits essentiels les délices, ça s'achète en grand format, que ce soit en gel douche, crème pour les mains, gommage corporel, voire aussi bougie et galets effervescence pour certains produits. Donc voilà quoi, après il y a les autres produits, j'ai envie de dire le seul produit qui est en grand en format normal, c'était le vernis ongles, voilà quoi. C'est une très bonne gamme, je vous en parle après, donc voilà quoi. Donc voilà, premier article qui me vient sous la main, c'est le bloc polissoir des 4 faces. Donc première, je lime cri cri, deuxième, je lisse kix, troisième, je polis wish wish, et quatrième, je fais briller, wow. Donc voilà quoi, ça c'est des produits comme ceci. Deuxième article qui me vient sous la main, c'est 4 bâtonnets de pluie. Pour ma part, je trouve que c'est un produit futile, voilà quoi. Moi, j'ai pas de problème de cuticule, donc j'en aurais pas besoin. Donc voilà quoi, mais après, pour les personnes qui m'ont besoin, je pense qu'ils sont très contents. Donc voilà quoi, se présente. Là, c'est un bout biseauté et là, c'est une pointe. Après, nous avons la première chose qui me vient sous la main, donc exactement la même comme l'année dernière. Donc, ce sont les Naughty Bay, les délices crème main douceur à la pomme d'amour. Donc voilà quoi. À l'arrière, il vous marque juste les ingrédients. Côté à odeur, ça n'a pas trop l'odeur d'une pomme sucrée, voilà quoi, le dessert, j'ai envie de dire, qu'on peut acheter sur certaines fêtes foraines, mais plus la bougie qu'on achète en grande surface de la marque Cegli qui les vend. Ça sent exactement pareil. Après, nous avons un sépare-orteil, enfin une paire cette année, pas comme il y a deux ans, parce qu'ils nous avaient mis juste un dedans. C'est une mousse assez dure. Après, nous avons le mascara qui s'appelle Volume Obsession Mascara Volume en noir. Il est non waterproof et la brosse elle se présente comme ceci. Donc voilà quoi. Pour du volume, moi je suis pas tout à fait d'accord. Voilà quoi, j'ai eu déjà mieux. Voilà quoi, j'ai une fois testé celui-ci. Après, nous avons une capsule de masque neige hydratant. Celui-là est fait en 5 ml par contre. C'est de l'aquafocus à l'eau de glacier suisse et aux figues de barbarie. Donc il se présente comme ceci. Je ne pourrais pas vous dire l'odeur. Voilà quoi. On sent à travers, c'est une odeur assez fraîche, comme les brumes éthers, les brumes à l'eau, voilà quoi, qu'on peut acheter même au magasin. Après, nous avons le headband qui se présente comme ceci, quelque chose d'assez serré. Je pense que si vous avez un crâne assez large, ça risque peut-être de me faire mal, voilà quoi, je dis bien peut-être. Après, nous avons un coupon qui se présente comme ceci. Moi, je suis fan quand il y a ça accroché derrière, tout simplement, on peut l'accrocher partout. Et en plus, ça qui est bien, c'est une genre de un coupon que moi j'aime personnellement bien. C'est parce qu'il y a déjà une lime intégrée. Après, je sais que les limes en métal, c'est pas très conseillé. Mais après, ça c'est un choix personnel. Après, chacun fait comme il veut. Donc voilà quoi. Des couleurs rouges, voilà quoi. Qui rappellent le calendrier de l'avant et les fêtes de fin d'année.
Après, nous avons le galet effervescent pour le bain, les délices à la part papa. Ça, c'est du 25 grammes. On sent rien à travers. Voilà. Là, nous avons le câble élastique pour cheveux. Je suis pas très fan, moi, de ce genre d'élastique. Voilà quoi, je dis comme ça. Après, nous avons un gel douche un peu plus grand. Voilà quoi. C'est du 10 ml, par contre, aussi, qui s'appelle gel douche onctueux, les délices à la pomme d'amour. Ils sont pas aussi forts épices, j'ai envie de dire, comme la crème pour les mains. Et la gamme pomme d'amour, on l'avait dans l'ensemble. On avait tous les produits de la gamme pomme d'amour, à part la bougie, enfin, je l'avance cette année-ci. Donc voilà. Après, nous avons l'éponge à teint, voilà quoi, qui se présente comme ceci, en forme d'étoile, voilà quoi. Pas du tout la forme Beauty Blender, comme je vous l'avais expliqué comme, au début de vidéo, comme c'est marqué sur la fiche, voilà quoi. Et elle est plus souple comme par rapport à celle-ci de l'année d'avant, donc voilà quoi. Je sais pas si elle va être mieux ou pas. Après, ça c'est bien vu que c'est en forme d'étoile là qui a les coins. Pour les personnes qui l'utilisent pour correcteur et anti-cerne, vous pouvez facilement y accéder, donc voilà quoi. Et aussi pour faire en dessous les petits trucs, là pour les grands faces. Après, je sais pas si elle va être bien ou bien et ou encore révolutionnaire. Après, j'ai les patchs biocelluloses hydratants à l'eau de glacier suisse et au fil du barbarie pour peau déshydratée. On sent rien par rapport à la capsule que je vous ai montré avant. Là, nous avons un masque hydratant visage en 12 ml cette fois-ci. Après, moi, je suis pas très fan de ce genre de masque, voilà quoi, au gommage. Moi, j'aime pas trop ça parce que je trouve que je sais pas si on peut ou pas, si on n'utilise pas tout en une fois, si on peut réutiliser ou si ça va être du produit gaspillé. Donc, c'est pour ça que moi, je suis pas trop fan de ce produit-ci, de ce genre de produit-ci. Après, nous avons la lime à ongles à double face, ici, côté neutre, ici, côté rouge, voilà quoi. Si on la touche comme ça, elle a pas beaucoup de grains, voilà, je le dis comme ça. Après, nous avons encore le lait douceur corps de la gamme Les Délices à la pomme d'amour. Ça sent pareil que comme la crème pour les mains, même qu'il y a une opercule devant pour protéger, voilà quoi, si on l'utilise pas tout de suite. Après, nous avons le fameux chouchou, comme ils appellent ça, élastique à cheveux. Je suis pas non plus très fan de ce genre-ci. Après, nous avons le gommage corps à la macaron framboise de la gamme Les Délices. C'est transparent et on voit pas beaucoup de grains. Enfin, c'est un grain tout fin et blanc. Voilà quoi. Et si je me trompe pas, si je dis pas de bêtises, on l'avait aussi déjà l'année d'avant. Donc pour 2016 dedans. Donc voilà quoi, je trouve que c'est un peu dommage qu'on nous mette deux années de suite presque le même produit. Après, c'est pas moi qui ai fait le calendrier de l'avant, voilà quoi. Après, nous avons le gel douche onctueux macaron framboise. Là aussi, un opercule devant. Et on sent rien, voilà quoi. Là, c'est plus protégé que par rapport au... Qu'est-ce que j'avais avant la main? Le lait corps à la pomme d'amour. Après, un crayon miniature noir, yeux. C'est la référence 01. Donc voilà quoi. Le tracé, une mine assez sec, mais ça va, voilà quoi. Ça fait pas mal si on passe dessus. Des fois, il y a des crayons qui sont super secs et ça fait mal aux yeux. Après, nous avons le soin des mains. Douceur et souplesse au beurre de karité, le nocif est essentiel. Donc voilà quoi. Côté odeur, c'est une odeur, j'ai envie de dire, de produits qu'on pourrait acheter en pharmacie et ou encore en parapharmacie, mais ça n'a pas trop d'odeur, voilà quoi. C'est vraiment une odeur neutre. Après, nous avons encore les essentiels, les corps hydratants, souplesse et confort au beurre de menthe. C'est quelque chose d'assez blanc et liquide quand même. Ça sent pareil, voilà quoi, on sent pas trop la mangue en tant que fruit, donc c'est un peu dommage. Après, nous avons la lingette en unidose autobronzante uniforme, tout type de peau, même sensible, voilà quoi, de la gamme Nocibé. Et, j'ai gardé le dernier pour la fin, pour ma part c'est le vernis rouge, voilà quoi, cette gamme-ci, j'ai déjà 2-3 vernis rouges, donc la gamme vernis brillance éclat de chez Nocibé. Côté tenue, ça tient largement une semaine, même si vous faites la vaisselle sans gants, voilà quoi, le vaisselle à la main. Et c'est la couleur 74 Heart Break, voilà quoi, à quoi ça ressemble. Le pinceau, c'est un pinceau large, voilà quoi. Et si vous avez des petits ongles, voilà quoi, sur le main, après je ne pousse pas trop. En un passage, vous avez toute l'ongle qui est recouverte, donc voilà quoi, ça ressemble. Moi, je trouve que c'est une couleur très jolie, voilà quoi, type fête de fin d'année, ou encore la fin d'année en taquia. Ou encore pour la Saint-Valentin, pour les personnes qui mettent du rouge, donc voilà quoi ça ressemble. Donc voilà quoi les produits. Donc première chose qui me vient sous la main,
ce sont les délices, le galet effervescent pour le bain à la barbe à papa, donc il se présente comme ceci. Après, nous avons le masque hydratant visage de la gamme Nocibé Essentiel. Après, nous avons le headband, voilà quoi, je vous le montre en plus proche. Le côté doré, oui, je suis bien fan, mais serré un peu. Le câble élastique, comme ils appellent ça, et c'est censé aussi moins abîmer les cheveux. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je n'en sais rien, dites-moi ça dans les commentaires. La paire de ces paires orteils en couleur rouge, voilà quoi, ça change un peu des couleurs qu'on peut trouver d'habitude en été ou classique. Les Nocibé Essentiel, les corps hydratants, souplesse et confort au beurre de mangue. Donc voilà quoi ça présente. L'autre élastique qu'ils ont mis dedans, en couleur rouge cette fois-ci. Le crayon yeux noir qui s'appelle exactement mini crayon mystérieux en noir, voilà quoi, il n'y a rien de spécial sinon dessus. Après, le soin beauté des mains, douceur et souplesse au beurre de karité. Donc voilà quoi. Après, le masque neige hydratant à l'eau de Suisse, à l'eau de glacier suisse et fille de barbarie. Donc voilà quoi. Après, la lingette en unidose, l'odobrosant, uniforme, visage et corps, toute peau même sensible. Donc voilà quoi. Ça c'est du... Donc voilà. Après, le patch yeux biocellulose hydratant à l'eau de glacier suisse fille de barbarie, voilà quoi, pour peau déshydratée. Je n'ai jamais encore testé ce genre de masque en tissu. Le coupe-ongle, voilà quoi, à quoi ça ressemble avec la lime et l'accrochage. Le bâtonnet de puits, pour ma part, ils en ont pu mettre que un, ça aurait largement suffi. Voilà quoi, je n'ai pas de problème de cuticule, mais après, pour les personnes qui ont des problèmes de cuticule, je pense que ça doit être super sympa qu'il y avait ça dedans. Après, le gel douche, les délices, gel douche onctueux pomme d'amour, voilà quoi. C'est pas juste le flacon qui est rose, voilà quoi, et à l'intérieur c'est transparent. Non, le gel douche est aussi couleur orange, voilà quoi. Ils ne foutent pas de nous pour nous mettre cette couleur. Après, les délices, les douceur corps pomme d'amour. Je le présente comme ceci. Le mascara volume obsession en noir, voilà quoi. Il n'est pas waterproof, voilà quoi. Je vous préviens tout de suite. Après, la lime à ongles, côté rouge, côté neutre, voilà quoi. C'est pas très épais comme grain, voilà quoi. Si vous aurez des faux ongles, je pense pas que vous pourrez l'enlever avec. Le vernis à ongles, voilà quoi, en couleur rouge, qui brille super bien avec les reflets du soleil qu'il y a dedans. Donc, c'est la gamme Vernis Brillance Éclat numéro 74 Heartbreak. Donc, voilà quoi. Je sais pas comment il est sur les ongles, mais bon, c'est un rouge, voilà quoi. L'éponge à teint, super souple. Peut-être la même texture comme le Beauty Blender, c'est peut-être pour ça qu'ils ont marqué éponge blender dessus. Je pourrais pas vous le dire, voilà quoi. Elle est plus souple que celle-ci de l'année d'avant. Le gel douche onctueux macaron framboise. Le gommage douceur corps macaron framboise. Puis nous avons encore la crème à douceur à la pomme d'amour qui se présente comme ceci. Dernier produit que j'ai encore sous la main, voilà quoi, le 25e, je ne l'ai plus vu que je l'ai utilisé. Donc c'est le bloc polissoir des quatre côtés. Donc je lisse, je lime, je lisse, je polis et je fais briller. Donc voilà quoi, et là c'est pas du, c'est de la mousse, voilà quoi. C'est la même genre de mousse comme les séparateurs, si jamais. Pour ma part, qu'est-ce que je peux vous dire de ce calendrier de l'âme? Donc il a augmenté de 5 centimes, ça va, c'est pas 10 €, moi je l'avais reçu cette année-ci. Rupture de stock assez facilement en magasin, sur internet ça allait encore, voilà quoi. Quand je regardais des fois pour voir par curiosité s'il l'avait encore ou pas. Les produits, pour ma part, je trouve que c'est des... Il y a 3 voire 4 produits répétitifs de 2016 à 2017, voilà quoi. Ça que je suis sûr, c'est la crème pour les mains, la pomme d'amour, la crème pour les mains, à la macaron framboise, c'est pareil. Le bloc polissoir des 4 faces aussi. Et si je ne me trompe pas, il y avait aussi le gommage corporel macaron framboise qui était déjà l'année d'avant dedans. Donc pour ma part, 4 produits. Le 4e, je l'ai en suspens, mais je suis sûr à 99% qu'il était déjà dedans. Je trouve que c'est un peu du copier-coller. Voilà quoi. Cette année, ils nous ont mis. J'ai envie de dire autant de soins comme l'année d'avant, voilà quoi. Il n'y a qu'un peu du maquillage comme l'année d'avant par rapport au premier qu'ils avaient sorti, c'était que du cosmétique. Je crois 95% c'était du cosmétique au premier, je pourrais plus vous dire, voilà quoi. Ça fait quand même plus de 2 ans maintenant. Est-ce que cette année je vais acheter un calendrier de l'avant de chez Nocibé? Je pourrais pas vous le dire, voilà quoi, en sachant quand même que moi je suis pas une personne qui va aller lire qu'est-ce qu'il y a marqué dessus à l'avance, que ce soit sur le net ou en magasin, pour voir qu'est-ce qu'il y a dedans, si c'est quelque chose qui me plairait ou pas. Je me garde la surprise, donc voilà quoi. Après, c'est clair que là,
Ils nous ont mis des produits et j'ai envie de copier. Donc c'est clair que peut-être cette année, je vais aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans, si c'est vraiment de nouveau du copier-coller comme cette année, comme l'année dernière, il y a 2 ans. Je pense pas que je l'achèterai, voilà quoi. Après, le prix, c'était du 29,95, c'était pas du... C'est clair, c'est 30 euros, j'ai envie de dire, à l'arrondi, mais après, je sais pas moi si vous êtes plusieurs filles dans la même famille, ou mère et fille, voilà quoi, que la mère elle l'achète et après que c'est pour les deux, après vous laissez les produits dans une trousse ou dans une boîte ou dans une pièce, et que chacun à tour de rôle, quand elle a besoin, la personne va l'utiliser pour économiser de l'argent, ça vous pouvez très bien aussi faire, ça marche aussi. Après, c'est clair, c'est un coût, voilà quoi. Après, le côté emballage, moi je trouve que quand c'est déplié, ça prend beaucoup de place. Donc moi j'ai pas trop aimé. Donc quand j'avais de nouveau terminé la journée, quand je suis allée voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, j'avais à chaque fois replié pour ma part, voilà quoi, sinon ça prenait beaucoup trop de place. Donc voilà. Dites-moi dans les commentaires parmi les produits qu'ils ont, est-ce que vous en avez déjà, que vous avez testé, que ce soit là en miniature pour mon voyage, voilà quoi. Ou est-ce qu'il y en a que vous avez été déjà offert ou que vous avez acheté parce que vous les aimez très bien. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce que vous savez le prix des grands formats? Par exemple, la gamme essentielle, les gammes, les délices, etc. Ça, je sais que ça existe en grand format, je les ai déjà vus en magasin. Le seul produit qui est, il y a juste, j'ai envie de dire, 3 produits qui sont en format normal, c'est le galet effervescent, c'est du 25 grammes, c'est aussi ça qu'on peut acheter chez nos eBay. Le vernis ongles, c'est du 10 ml, je crois, si je ne me trompe pas. Ouais, ça, c'est aussi le format normal. Ainsi aussi que. Le séparateur et le coupon, voilà quoi, ça c'est les formats normales. Ainsi aussi que les élastiques, j'ai envie de dire, niveau cheveux, voilà quoi, accessoires. Mais après le reste, c'est niveau beauté, soit c'est tous des formats voyage miniature. Alors peut-être les capsules de masque, là je pourrais pas vous le dire parce que moi j'achète jamais ce format, je suis pas très fan, donc c'est peut-être pour ça. Donc voilà quoi, dites-moi aussi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport qualité-prix. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de gagnant ou pas du tout? En commentaire, je vous mettrai le nom de chaque produit, voilà quoi, si jamais ça vous dit d'aller vérifier sur internet si c'est quelque chose qui vous plaît, et ou encore de le sentir en magasin et puis de les acheter, vu que là il y a que les soldes, voilà quoi, il faut profiter pour acheter des choses, en découvrir, voilà quoi, moi je suis toujours une personne comme ça, si je découvrir un produit, je l'achèterai toujours, que ce soit en solde ou encore en promotion par le magasin, donc moi je suis comme ça. En barre d'infos, je vous mettrai bien sûr aussi là ce que vous pouvez me suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du lien s'abonner. C'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo en ligne, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que sur Twitter. N'hésite non plus pas à me lâcher des pouces bleus, des j'aime, des pouces vers le haut, des likes, voilà quoi, tu as fait ça comme tu veux, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, que ce soit dans ce style ou dans un style complètement différent, et de deux, ça me montre que cette vidéo t'a plu, comme de la vidéo et ou encore le contenu de vidéo. N'hésite non plus pas à la partager, sur ça moi je fais des gros bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss.